Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers internautes, très chers diacres, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, à l'occasion de la mémoire de Saint-Dominique en tant que prêtre, nous prions en action de grâce pour tous ceux et toutes celles qui comptent sur nos humbles et ferventes prières. Accorde à ton Église, Seigneur, de trouver un secours dans les mérites et les enseignements de Saint-Dominique. Que dans sa grande bonté, il intercède pour nous, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, le verset 31 et 34. Voici venu un jour, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec le Père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'auront pu. Alors que moi, j'étais le maître oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur,
Je pardonnerai les fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Méditons dans le psaume 50. Après chaque strophe, nous répéterons. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermir au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne aux pécheurs. J'enseignerai des chemins vers toi, reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'holocauste, le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Chantons l'acclamation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors,
il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 18e jeudi du temps ordinaire qui coïncide avec la mémoire de Saint-Dominique en tant que prêtre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la déclaration de foi de Pierre et la première annonce de la passion de Jésus. La déclaration de Simon annonce une transition dans le ministère de Jésus. Cette déclaration ouvre la dernière étape du ministère public de Jésus, l'étape de sa passion. Suite à cette profession de foi, Jésus renvoie ses disciples à l'heure de sa passion, qui sera pour eux le lieu de vérification de leur foi. Jésus posait pour la question, qui laisse moyer? Guéien qui va en pile réponse. Pierre t'appelle pas une réponse à brillant toi. Pierre t'appelle pas une réponse qui est solide. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va répondre Pierre pour lui dire parole ça, que vous dites, ce n'est pas parole qui vient dans vous-même, ce n'est pas qui est inspiré de parole ça. Je dis, hein, Jésus a adressé à nous tous, à nous chaque. Pendant qu'il pose nous même question, hein, pour nous-mêmes, qui suis-je? Qui laisse-moi y aller? Quelle est la place de Jésus dans notre vie? Qui place Jésus gagne dans la vie, non? Beaucoup voient en lui un homme généreux, un homme sage, un homme qui a fait beaucoup de miracles. En fait, on ne sait pas trop. La plupart ne sont pas certains de sa véritable identité. Comme les disciples, nous avons besoin d'apprendre à écouter Jésus. Lui seul peut nous faire découvrir quelle est sa mission de Messie et comment il peut nous libérer et nous redonner la vie. Dans la deuxième partie du texte, Jésus prend le bail. Disciples ont une instruction formelle. Pendant que l'a annoncé passion et résurrection, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs de prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Ici,
Jésus renvoie ses disciples à l'heure de sa passion, qui sera pour eux le lieu de la vérification de leur foi, comme je viens de souligner. Jésus utilise souvent le titre « Fils de l'homme » pour parler de lui. Ce titre était une manière voilée et moins provocante qui souligne son origine céleste. Ce projet est très douloureux pour les disciples de Jésus. Cette annonce les rend tristes. Et ils ont quitté toute bagaille pour suivre Jésus. Mais Jésus dit, il gagne pour lui mourir. Qui ça nous pourra le venir demain? Qui ça nous va devenir demain sans lui-même? Mère Teresa disait, la plus grande souffrance est de se sentir seul, est de se sentir abandonné de tout ça. Zami internet nous, frère Maxime, moi voulais attirer attention non sur la mention le troisième jour à la fin du texte. Le troisième jour, il ressuscite. Nous avons posé une question ça. Pour qui ça c'est ce troisième jour? Joie, Jésus dit la ressuscité. Troisième jour, c'est une notion qui a aidé à déchiffrer l'alphabet. La vie sous terre. Alphabet la vie, pas seulement gagné humiliation et tribulation, mais il gagne tout élévation et contemplation. Alphabet la vie, pas seulement gagné déception et opposition, mais il gagne là-dedans tout félicitation et considération. Chemin, croix, c'est chemin glorification. La mention du troisième jour n'est pas une simple indication chronologique. Le troisième jour est toujours un jour où se produisent les œuvres bénéfiques de Dieu. Le troisième jour représente un jour de délivrance. Mais Saint Matthieu nous dit que suite à cette annonce douloureuse, Pierre, prenant Jésus à part, se mit à lui faire de vivre en reproche. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passez d'eux, Satan. Pensez-vous, pas pensez, bon Dieu, mais celle des hommes. La logique divine va au-delà de la simple logique humaine. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe, chapitre 55, le verset 9. L'intelligence de Dieu est universelle. Bon Dieu contre toute bagaille. Une vie chrétienne sans passion est une vie sans mission. La passion dans les deux sens, amour absolu et souffrance. Nous, Pierre, pas de comprendre le chemin ça. Jésus choisit ce chemin la croix. Et nous connaissons très bien, chemin la croix, c'est le chemin de délivrance là. Chemin la croix, c'est le chemin de glorification. Jésus nous invite à le reconnaître comme le Christ Sauveur. Mes frères, mes sœurs, que notre prière rende palpable la présence libératrice de l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu continue de faire alliance avec nous par un dessin clair de sa présence, comme cet arc-en-ciel promis à Noé. On demande pour Dieu grand maître là, qui c'est source remède pour aider à identifier présence Jésus dans la vie nous comme chrétiens. Comme ça, nous va arriver à suivre tout bon vrai et on a annoncé bonne nouvelle là, tout côté nous passer dans nos papas, avec Pissit là, avec l'Esprit Saint. Thank you.
Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'intercession de Saint Dominique, écoute avec bienveillance, Seigneur, les prières que nous te présentons. Et par la puissance de ce sacrifice, soutiens ceux qui luttent pour la foi en leur en donnant la protection de ta grâce. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire qui est notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut. Le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec l'essence de tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en disant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, quand nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, elle rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'on n'ait pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et les auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Florence,
et Jorel Lissad, Armancia Gentil, Carisa Laplanta, Carmel B. Dessiné, Dr. Ralph Benson Boutin, Gerbert Andoni, Giovanni Bontemps, Magnolita, lui, Margaret Accra, Marie-Claire Françoise, Maître Wilfried Deristil, Michel Gérald Olivier, Olana, Issa Després, Révérend Père, Wyclef Antoine, Wilhelmine, Janvier Jean-Louis, Yolande Henri Doré, Alvin Lalane, Alvin Richard Lalane, Marjorie Champagne. Nous implorons ta bonté sur tous les bienfaiteurs, bienfaitrices de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce. Nous implorons ta bonté pour tous ceux et celles qui comptent sur mes œuvres et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Thank you.
louons encore le Seigneur. Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint-Dominique, tu nous as donné en nourriture le sacrement du ciel. Fais que ton Église ardente à te servir en reçoive toute la force et soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par le Christ notre Seigneur. Nous connaissons la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Je dis à ça fait troisième jour et on a continué la prière, faire prière neuvaine ça ensemble matin. Réjouis-toi. À Notre-Dame de l'Assomption. Bienheureuse Vierge Marie, avant d'être élevée au ciel, dans la gloire de Dieu, tu as connu les épreuves de la vie. Nous venons à toi pour te confier notre vie. Nos familles, nos projets, et tous nos besoins. Viens à notre secours, afin de nous aider à faire face aux épreuves, à réaliser nos projets, et à travailler chaque jour. Afin qu'après notre mort, nous soyons admis au ciel auprès de ton Fils en Jésus. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre-Dame de l'Assomption. Priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption. Priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption. Priez pour nous. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour l'Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Petite Maman Marie. Argent perdu bataille. Petite Maman Marie. Argent perdu bataille. Petite Maman Alta Grâce. Argent perdu bataille. Faut-il chita tout coûte. Yon annonce et ensuite, on a passé dans la rubrique anniversaire. Annonce 31 août 2024. Abgengala qui a organisé par famille Maman à la Grâce dans la région Massachusetts pour supporter le travail de l'Église noire. L'Église là a un pile projet. Et c'est dans l'esprit ça, il a fait gala ça. Gala a fait dans Victory Hall American Legion Post dans Massachusetts. Ça veut dire petite maman la grâce, ranger corps nous, commencer à acheter ticket nous pour nous participer dans belle gala ça et gala ça comme ça, c'est pour avancement paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce lié. Je dis, nous pas rater l'occasion. L'occasion que vous ratez dans la vie, vous ratez pour la vie.
Ça veut dire si y a un autre gars là qui a fait la salle fête dans Boston et au pas participer dans ça que tu fait avant. Père Franky désire ak en pile l'autre père ap dans gala ça. Et me connaît grand pile père vraiment mais a fait effort pour venir dans gala ça pour ka wè père nou yo. Père Franky désire l'autre père m'a cité non. Et surprise, la vie est faite en deux surprises. Pour information, regardez dans le numéro Sayo, 617 817 94 38 203 509 95 72 203 331 21 35. Kounia n'a pas passé dans la rubrique anniversaire. Je dis à ces 8 août, fête Saint-Dominique. Il y a un couvent, Père Saint-Dominique, qui l'autre bois, dans Publin. Je dis à la fête. Nous souhaitons toute paix qui est dans le couvent. Bonne fête parce que c'est fête patron. Mais tout, je dis à ces fêtes. Madame Florence avec Jourel Lissade, c'est fête anniversaire mariage. Ils ont célébré 32 ans depuis qu'ils ont marié. Nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Armand Serchantir, Carise Laplante, Carmel B. Destiné, Dr. Ralph Benson Boutin. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Germaine Denis, membre du groupe Les Bien-aimés de Marie, Giovanni Bontemps, Magnolita Lui. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Margaret Accra, Marie-Claire Françoise, Maître Wilfried de Ristil, Michel Gérald Olivier, Orlane, Issa Després. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Wilhelmine Janvier Jean-Louis, Yolande Henri Doré, Alvin Lalanne, Alvin Richard Lalanne. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Révérend Père Wycliffe Antoine. Wycliffe Antoine, c'est ami paroisse là, c'est vicaire dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, paroisse cathédrale. Père Wycliffe, c'est Silla qui est en charge pour bay payo en pile service tito les payo ap dédouaner machines ou ap fait plaque etc. Ça veut dire Père Wycliffe, nous tout acte nous chaque nous connaissons, c'est honnête qui toujours mettait fait disposer disponible pour l'église. Nous souhaitons Père Wycliffe joyeux anniversaire de naissance. Nous si là qui a fêté fête yo qui pas non qui est là. Et nous avons demandé pour avancer devant pour nous capables de bénir et la prière pour vous. Merci là vous avez vivre, merci là via YouTube et Facebook sur Radio RTA ou bien Radio Télé Alta Grâce. Nous avons demandé vous côté vous êtes capables de mettre à genoux et bien pour vous capables de recevoir la bénédiction parce que nous souvent dit et bien grâce bon Dieu pas de limite. Nous avons demandé aux gens qui sont assemblés pour célébrer pour avancer devant. Sous-titrage Société Radio-Canada.
merci à tout à chaque qui t'a mis tes pions par nous pour permettre que la célébration soit une réussite matin. On y a, mangez comme nous pour recevoir bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Sainte journée à chacun, à chacune d'entre vous. Merci. Merci.